Bien. Bon. Mais 76 personnes, vous n'êtes pas nombreux. Bon, je vous ai dit que quand j'ai annoncé, attendez, voilà. Quand j'ai annoncé que j'allais parler de cette histoire, c'est tout le monde qui panique. Je vous ai dit, je ne parlerai pas de cette histoire. Mais les faux, ceux qui envoient les fausses nouvelles, ceux-là, je parlerai d'eux. Ce n'est pas parce que vous avez des problèmes avec quelqu'un. Ce n'est pas parce que vous avez des problèmes avec quelqu'un que vous allez profiter de la pluie pour chier dans le torrent. Nous sommes dans une affaire où les éléphants se font la guerre. Nous sommes dans une affaire où les éléphants se font la guerre. Nous sommes les herbes. Les petites herbes comme ça là. Donc, tout ce que je vais attraper dans les groupes, dans les différents groupes que je suis, je vais vous publier ça dans les réseaux. Tout ce qui tourne dans les groupes WhatsApp, je vais vous publier ça dans les réseaux. Et je vais marquer PCRN, posté comme reçu. Nous sommes dans une situation où on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève ce qui se passe dans la sphère. Mais évitez J. Parce que le mensonge de J. a été d'un autre niveau. La guerre entre J. et Boris, c'est sur cette affaire-ci. J. pour lui, l'information, c'est le buzz. J'peins pour lui, il prend des informations comme si vraiment pour faire. Il y a un collègue qui est mort. Respectez le collègue qui est mort. Donnez des informations vraies, avec des preuves à l'appui. Tout à l'heure, j'étais dans le live j'étais dans le live de J'peins. Ça dit qu'on a l'impression qu'il raconte, qu'il raconte NCIS. Ça dit que quand tu écoutes J.Point parler, tu regardes les documentaires qu'il y a sur TF1, c'est la même chose. C'est la même chose. Mettez le liminol, allez chez un tel, faites X ou faites Y. Mais J.Point, tu n'es pas journaliste, tu es animateur. Animateur. Tu es venu, tu as eu la chance. On t'a pris là où tu travailles, c'est bien. Mais ne donne pas le vent. Je tiens à te rappeler que J. tu as été piégé par le commissaire. C'est une histoire d'argent, tu es tombé. Tu as été piégé ici à Paris, à l'époque des patriotes de la basse. Tu es tombé. Il y a encore les investissements jusqu'à aujourd'hui. Une histoire se passe au Cameroun. Il y a mort. Les gens prennent l'histoire là au sérieux. Tout ce que tu trouves à faire, J. c'est de régler. Comme on avait fait un document. Comme Vision quand tu as fait un documentaire sur toi. Par rapport à l'affaire de Ngonombo. On a mis ta pièce dans toutes les chaussures. Donc tu as encore la rage de ça là. Laissez-les là-bas au pays gérer leurs problèmes. Laissez-les là-bas au pays gérer leurs problèmes de guerre et de clan. Ça ne nous concerne pas. Mais ne laissez pas des animateurs comme J. venir vous vendre tout et n'importe quoi. C'est très important. On vous donne des fausses informations comme si. Mais j'ai regardé le live de J. tout à l'heure, je me suis dit, mais attends, on est où là? Allez mettre le luminol, allez faire ceci, cela. Non!
Ils savent en haut là-bas ce qui se passe. Ils savent en haut là-bas ce qui se passe. Laissez-les gérer leur truc entre eux. Je suis dans les groupes de journalistes. Attends. Je suis dans leur groupe de journalistes. Tout ce que je vais vous publier sort de ces groupes-là. Attends, abandon publication. Je vais mettre sur WhatsApp. Je suis dans leur. Voilà les groupes-là. Je suis dans les groupes. Tout ce que vous voyez là, ce sont des groupes. Tout ce que vous voyez là, ce sont des groupes de journalistes. Donc, tous ceux qui sortiront de l'intérieur, ne nous trompez pas. Il y a eu mort d'homme. Ce qui se passe, ils sont au courant et ils savent. Ce n'est pas les enfants des autres qui vont venir payer les pots cassés. Ceux qui veulent régler leur compte, mais j'y pointe ton information. Tu as dit que tu es l'un des... Moi, je ne peux pas te considérer comme un journaliste. Je ne peux pas. Parce que tu n'as jamais donné une information fiable. Fiable. Tu étais dans la base, on a vu ce que ça a donné. Boris Bertol encore, par rapport à toi, Boris Bertol encore, jusqu'à preuve du contraire, il ne s'avance pas trop. Tu nous as parlé d'un Prado V8. Boris Bertol nous a parlé d'un Pajero. Tu dis un Boris Bertol dit le contraire. Parce que toi, tu as ton acharnement sur Amougou Belinga, que tu as décidé que tu vas régler avec lui. J'ai point, tu ne fais peur à personne au Cameroun. Parce que tu ne donnes aucune information fiable. Tu es dans ce qu'on appelle le chantage. Tu es dans le chantage que tu attends qu'on te verse l'argent pour rester tranquille. On t'a piégé ici, là. Pendant, entre les parties, l'autre et la basse, on t'a piégé, tu es tombé. Tu partais prendre les miettes. Il faut laisser ça. Un journaliste est mort au Cameroun. Ça énerve tout le monde. Ça énerve tout le monde au Cameroun. Et toi, tu viens en France, tu fais le buzz avec. Tu fais le buzz avec la mort d'un journaliste. Là où les journalistes ne s'avancent pas du tout. Là où aucun journaliste ne s'avance. Personne ne veut se prononcer. Comme toi, tu es en Europe, tu ne veux plus rentrer au Cameroun. On sait que tu ne vas plus rentrer au Cameroun. Donc, tu commences à allumer les gens avec des fausses informations. Depuis que tu parles, depuis qu'on te connaît dans les réseaux sociaux, est-ce que tu as déjà apporté une seule information fiable? Aucune. Aucune. Voilà là où Boris Bertol te dépasse. Parce que Boris Bertol, deux fois, fabrique les fausses infos, les fausses preuves, il envoie. Deux fois, Boris Bertol fabrique les fausses preuves. Mais arrêtez d'intoxiquer des gens qui veulent savoir la vérité. Les gens veulent savoir ce qui s'est passé. Depuis que cette affaire est arrivée, tu alignes mensonge sur mensonge. J'ai regardé ton live, j'ai regardé le live de Boris Bertol. Ça n'a rien à voir. Entre toi et Boris, ça n'a rien à voir. Je dois parler de ça parce que je suis patriote. Parce que je suis patriote. Et je suis le fondateur de la brigade des patriotes. Je ne me prononce pas dans cette histoire parce que je ne connais rien. Ni d'Adam, ni d'Ève. Ni les uns, ni les autres. Mais arrêtons d'être toujours omnibulé parce qu'on cherche toujours un bouc émissaire. On cherche toujours X ou Y. La guerre maintenant entre toi et Boris Bertol. Qui dit la vérité qui ment? Qui dit la vérité qui ment? Non, c'est que J-Point, c'est le Congossa. J-Point, c'est le maître du Congossa absolu. Là, nous, on te connaît ici dans la diaspora. Donc, tu ne vas plus nous dire une information. Même la petite vidéo que Boris Bertol a montré au moins. Boris Bertol, au moins, a montré la vidéo que voilà, Pajero glisse. On a au moins vu sur Boris Bertol. Mais toi, J-Point, chez toi là-bas, on a vu quoi? Rien. On n'a rien vu. On sait que tout le monde entier sait que tu as un acharnement depuis qu'on a sorti le petit documentaire sur toi avec le journaliste de Vision 4. Tu es entré en guerre totale. Mais j'y pense, tu ne fais peur à personne parce que tu n'as aucune information fiable. Aucune information fiable. Laissons-les là-bas en haut. Ils savent ce qu'ils ont fait là-bas. Ils savent ce qu'ils ont fait. Nous, on n'est pas dedans. Ça ne nous concerne pas.
Quand il y a une information dans le forum, je sors ça, je publie. Il a dit que c'est tel qui a tué cette. Nous, on n'est pas dedans. On n'est pas dans leurs histoires. Mais je dois vous dire que quand certains blogueurs commencent déjà à mentir parce qu'ils veulent des pots de vin. Parce qu'ils veulent des pots de vin, ils commencent à mentir. Parce qu'ils veulent qu'on les appelle pour leur dire que bon gars, ne parle plus de ça. Bon, on t'envoie combien? Oui. Bon, si vous m'envoyez combien pour que ne parle plus de ça? Voilà. Ça dit que voilà là où les blogueurs camerounais se sont rendus compte à ce moment-là. Que regardez. C'est pas possible. C'est bizarre, hein? À quel point on vous achète? On sait que Boris, c'est le maître parle, c'est le maître chanteur. J-Point, c'est le maître chanteur. Mais ils veulent monopoliser l'information dans la diaspora. Jusqu'à preuve de contraire, personne n'a encore énuméré ce qui s'est passé. Mais on a vu ce que J-Point est en train de dire. Allez chercher telle place, allez telle place. Demandez, ils fabriquent les noms, ils simulent. Est-ce que, à un moment donné, il va falloir qu'on soit clair, non? C'est-à-dire que quand on veut parler du Cameroun, moi, quand je dis que j'ai, je suis dans le Congo, ça, je suis là-dedans. Quand on sort là pour parler du Cameroun, parlons de notre pays. Arrêtons le mensonge. Arrêtons le mensonge. On ne sait pas ce qui se passe entre eux là-bas. Personne parmi nous ne connaît le nom d'un ministre. Personne parmi nous n'a une relation X ou Y. Parce que si on demande à ces gars-là que l'histoire, là, nous-mêmes, on voit ça comme vous voyez cette histoire. Nous-mêmes, on voit ça circuler dans des forums WhatsApp. Comme vous voyez ça circuler dans les forums WhatsApp. Mais parce qu'on a deux maîtres menteurs dans la diaspora camerounaise. On a deux maîtres menteurs. D'un côté, J-Point. De l'autre côté, Bibi. La guerre entre Boris et J-Point. La guerre du mensonge. L'autre dit que, oh, Padio le noue grise. L'autre sort que, oh non, c'est un 4-4, pas un V8. Qui dit la vérité? C'est votre collègue, non? Vous n'avez pas cherché les vraies informations? Vous n'avez pas cherché les vraies informations. Après, quand vous parlez qu'il n'y a plus de journalistes au Cameroun, vous allez dire que, oh, Amer Kamer parle mal. Amer Kamer parle mal. Le commerce que vous. Je vous ai dit ici, entrez dans le Congo ça comme moi. Entrez dans le Congo ça comme moi. On quitte ça. Parce que ni vous, ni l'un, ni l'autre, vous n'avez aucune information. Je dis aucune. Vous êtes comme moi. On n'a aucune information. On prend dans les forums WhatsApp où vous êtes. Parce que vous êtes dans tous les mêmes groupes WhatsApp que vous êtes. Nous, je suis dans les mêmes groupes que vous. Vous prenez les Congossais, les journalistes. Attendez l'autre téléphone. Vous prenez les Congossais, les journalistes. Vous vous arrangez. Vous commencez à donner. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vous suivent? Monsieur, quand on te suit, quand on vous suit, dites au moins la vérité. Vous êtes dans les mêmes groupes WhatsApp que moi. Hein? Vous êtes dans les mêmes groupes WhatsApp. On est tous dans les mêmes groupes WhatsApp. Nous tous. On est là dedans, dans les groupes WhatsApp des journalistes. C'est le Congo, ça, les journalistes que vous venez, vous analysez un peu, vous venez publier. On sait que chaque personne, nous savons que chaque personne a ses différends là-bas avec quelqu'un. Oui. Quand il pleut, il chie dans le torrent. Quand il pleut, il chie dans le torrent. Vous n'êtes pas courageux. Vous n'avez pas laissé le Cameroun là. Mais si vous êtes courageux, allez là-bas. Moi, je vous laisse la place. Je vous ai dit que moi, je ne suis plus dans la politique. Je ne suis plus dans ce milieu-là. Parce que c'est un milieu très malsain. Mais par contre, quand vous commencez à mentir, je sors. Vous, mes frères blogueurs, là, quand vous commencez à mentir, je sors. C'est pas possible. Les gens sont à clos là. Les gens veulent savoir. Mais il faut aussi dire combien vous payez aussi pour salir ces hommes politiques. Dites combien on vous paye. Parce que moi, je ne défends personne. Moi, je ne défends personne. Et je ne suis payé par personne, ni être mandaté par personne. C'est quand je vois que vous deux dans la diaspora camerounaise, ou bien parce que le internet est gratuit, vous deux, Boris et J-Point, vous deux, des informations erronées dans le mensonge, où il faut mettre un luminol. Non, il faut mettre un luminol. C'est-à-dire que J-Point, alors, c'est-à-dire que J-Point, mon frère, J-Point, je vais te poser une question. Hein. Dis-moi un peu, J-Point, tu étais scénariste dans NCIS. Non. J'ai l'impression que J-Point, tu étais scénariste dans NCIS quelque part. Non, mettez le luminol. Même les enfants, quand ils regardent NCIS, ils savent que ce que tu dis là, c'est NCIS que tu as besoin de répéter. Arrêtez ça.
un journaliste, c'est sa crédibilité. JPO, où est ta crédibilité en tant que journaliste? Boris Berthe, où est ta crédibilité? Tout le monde sait que vous êtes des maîtres chanteurs dans la diaspora camerounaise. Je voulais dire que moi, je ne parle pas de l'affaire du journaliste. Je ne parle pas de ça. Mais c'est que vous concernez vous deux. Vous deux là, je ne peux pas vous louper. Oui, je ne parle pas de l'autre parce que je ne suis dans aucun couloir, ni dans aucun camp. Ni dans aucun camp. Parce que quand il s'arrange Jaro là-bas, c'est nous qui subissons ici. J'ai encore dans la tête les séquelles. J'ai encore dans la tête les séquelles de la guerre patriotique. Ça m'a ouvert les yeux. Les séquelles de la guerre patriotique m'ont démontré par A plus B que ces gars pour qui vous combattez là, ils sont comme ça là. Ces gars pour qui vous combattez là, vous appelez ici basse, vous appelez patriote. Eux là-bas, haut là, ils sont bangou bangou. Vous rappelez de la phrase que l'ambassadeur camerounais nous avait dit ici à Paris? Il n'y a ni basse, ni patriote. Nous sommes tous des Camerounais. Dans leurs intérêts qu'ils ont en haut là-bas. Dans leurs intérêts qu'ils ont en haut là-bas. Nous, on n'est pas là, nous. Nous, on n'est pas là. Je continue à dire à ces deux blogueurs. À ces deux blogueurs. Ou animateurs. Ne détrompez pas l'opinion publique. La vérité là où c'est parti, là, ça va seulement sortir. Ne nous déroutez pas. N'abusez pas des émotions des gens pour divulguer des fausses informations dans quelque chose que vous deux, vous ne connaissez pas. J'ai dit que je ne parle pas de ça parce que je n'ai aucune information. Parce que je n'ai aucune information. Je ne m'hasarde pas dans un couloir comme ça. Non. Mais, de grâce, vous deux, quand vous ne connaissez pas, dites que nous ne connaissons pas. Dites que nous ne connaissons pas. En commençant par Jipon, tu es le maître chanteur. Je n'ai jamais vu un gars qui manque autant. Là où je dis que c'est qu'est sûr, le commissaire a fait ton. Le commissaire t'a démontré aussi que tu n'étais rien. Le commissaire t'a. Le commissaire t'a. T'as dit qu'il t'a acheté ici pour 6 000 euros. Tu es tombé. 6 000 euros. Parce que tu ne fais que mal parler. Tu ne fais que mal parler. Pourquoi on appelle Jipon pour dire à Jipon que bon, écoute, arrête de parler comme ça là. Bon, va quelque part, on va te donner aussi ton petit, un petit 20 000. Va quelque part, on va te donner un petit 50 000. Voilà le travail des soi-disant jusqu'à ce qu'on appelle les fourmis. Voilà, les gens, ils sont en France, incapables de créer un contenu. Tu as déjà donné quoi comme preuve depuis que tu es journaliste? Jipon, tu as déjà créé quoi comme preuve? Il t'a dit que Boris Berthon est encore plus crédible que toi. Parce que Boris Berthon, au moins, a montré que voilà la Pajero grise. Ce n'est pas. Toi, Jipon, tu parles de V8. Boris Berthon parle de Pajero. Entre vous deux, qui dit la vérité alors? Voilà la croisée de deux menteurs professionnels. Qui dit la vérité entre vous deux? Parce que vous allez chercher ça dans les forums. Dans les forums des journalistes, l'autre plan, il regarde, il fait une synthèse. Bon, moi, je vais dire comme ça. Parce qu'il faut qu'entre Boris et Jipon, quelqu'un doit sortir l'information en premier plus que l'autre. Quelqu'un doit sortir et il met les Camerounais, la diaspora dans le mensonge. Vous avez quoi comme information? Vous êtes comme moi, vous ne connaissez rien. Et quand on ne connaît rien, on sort, on dit que je ne connais rien. Quand on ne connaît rien, on sort, on dit que je ne connais rien. Vous n'allez pas profiter de la mort de ce journaliste pour alimenter vos comptes Facebook, pour alimenter vos comptes. Parce que maintenant, comme Facebook et YouTube payent, vous donnez des fausses informations pour augmenter le nombre de vues. Vous n'avez des croque-morts comme vous. Des croque-morts. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Votre frère est couché. Votre frère est couché. Vous organisez des cartels de mensonges dans les réseaux sociaux parce que Facebook est devenu payant. N'importe qui vient maintenant, il pense au mensonge parce qu'il veut X ou veut Y. Apprenez à respecter les cadavres des gens. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Votre collègue est couché. Votre collègue est couché. Vous ne faites que mentir dans les réseaux sociaux. Vous ne faites que mentir, mentir. Vous êtes comme moi, vous ne connaissez rien. Moi, au moins, quand je ne connais pas, je viens dire à mes frères que je ne connais rien dans l'histoire. Là. Je ne connais rien dans l'histoire. Bon, voilà, non. Voilà, ça a été. Je suivais vos deux directs en simultané. Vos deux directs en simultané. Vous n'avez même pas honte de manquer le respect à la mémoire de votre collègue journaliste. Vous n'avez même pas honte.
Vous n'avez même pas honte. Pendant qu'une famille est en train de souffrir, pendant que les journalistes au Cameroun sont en train de souffrir, que quelqu'un est parti. Parce qu'on a dit aujourd'hui que Facebook est devenu payant. Si tu fais plus de 10 000 vues, plus de 1000 partages, tu pourras avoir tes 5 000 dollars. Voilà quel point un journaliste comme toi. Normalement, Jipoint, tu devais seulement dire, je ne parle pas de cette histoire parce que je ne connais rien. Parce que je ne connais rien. Mais vous mettez les gens au chaud, vous incriminez. Comme tu as ton problème avec le zone là-bas, tu règles ça en direct. Tu profites de ça là pour régler ça en direct. Moi, je ne connais rien dans cette histoire, ni d'Adam, ni d'Ève. Mais tout ce qu'on sait, on sait que tu as le macabre du zone là par rapport à ce qu'on t'avait appelé que Ngonombong. On sait encore que l'histoire là te hante encore jusqu'à vous tous, que ça soit toi ou que ça soit Boris. Vous êtes des maîtres chanteurs, des gens pro au chantage. Et tant que moi je suis dans la diaspora là, tant que je connais comment vous fonctionnez, je ne vais pas vous laisser. Je vais commencer à vous mettre devant vous dire, j'y pointe, tu sors. J'enregistre comme j'enregistre là. J'enregistre comme j'enregistre là. Tu sors. Je vous suis tous les deux. Ici là, je suis Boris. De l'autre côté, je te suis. Donc, je vous enregistre là-dedans. Quand tu sors un live, j'y pointe. Je prends le live, je pose. J'enregistre tout ton live. Je prends pour Boris Berton, je pose là. Je prends dans les groupes, j'entre dans les groupes, WhatsApp des journalistes là. Je regarde. Je regarde ce que vous dites. Quand je vois là le mensonge, je vous allume. Maintenant, moi, il va vous contrôler. Aucun blogueur ne connaît ce qui s'est passé dans cette histoire. Et je ne vais pas vous laisser. Sous prétexte à main, quand même. Je suis dans le Congo, ça, mais j'ai l'œil sur ce qui se passe. J'ai l'œil sur ce qui se passe. Je ne vais pas vous laisser mentir aux Camerounais sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Je ne vais pas vous laisser mentir. Vous êtes comme moi. Personne ne connaît rien. Personne ne connaît rien dans cette histoire. La vérité, c'est en haut là-bas. Ils savent ce qui s'est passé. Nous, on ne connaît rien. Donc, c'est une honte pour toi, J. Point, d'abuser et d'user du cadavre de ton frère qui est encore à la mort. Tu organises les lives, maintenant ton nombre devient augmenter, J. Point. Maintenant tu fais les lives maintenant à plus de 5000 personnes. Oh, pourtant il y a à peine, avant la mort de cet homme, tu faisais les lives à 50 personnes. Tu faisais les lives à 50 personnes. Aujourd'hui, tu es monté. Moi-même, quand même, je suis honnête envers moi-même. Je suis vrai. À la seule différence parmi vous, je suis vrai et je ne couvre personne. Parce que ces gens en haut là, personne ne m'a jamais donné 5 francs. Personne. Et je ne peux pas les couvrir. Mais quand il y a un journaliste, un collègue qui est mort, vous pensez que personne ne parle pas? Vous voulez que vous montrez les photos où je suis avec Martinez? Vous pensez que l'on ne parle pas? Je suis passé 2 fois dans sa radio, 2 fois. Vous parlez de quoi? Vous levez moi les photos? Vous n'avez même pas honte. Une diaspora qui vit dans le mensonge. Vous avez votre frère qui est couché. Vous avez votre collègue qui est couché. Mais pour le buzz, pourquoi vous envoie les likes? Les likes, parce que maintenant c'est payant. Vous organisez des cartels de mensonges. Vous n'avez même pas honte. Votre collègue est couché et vous commencez. Vous profitez pour régler vos comptes. J'ai point. Si tu veux régler tes comptes avec le Zomloi, va à Yaoundé. Va à Yaoundé. Mais arrêtez ça. Arrêtez. Pour captiver les gens, tu fais semblant, c'est-à-dire que tu organises un film. Non, ils se sont quittés à telle. Mais ce qui est sûr entre toi et Boris, j'y vois entre toi et Boris, rien ne coïncide. Rien ne concorde. Boris dit le contraire de ce que toi tu dis. Entre vous deux maintenant, qui dit la vérité? Moi, je veux savoir. Moi, je ne connais rien. Moi, je ne connais rien dans l'histoire. Maintenant, la question que je vous pose, entre toi, Paul Désy n'a rien à voir là-dedans. Paul Désy n'a rien à voir là-dedans. Je suis désolé pour vous. Paul Désy n'a rien à voir là-dedans. C'est comme on avait arrêté Banla la veille de mon live. On a dit que c'était Amerika. Dans le procès verbal, c'était marqué qu'Amerika était là. Non. Quand vous ne connaissez pas et qu'il y a mort d'homme quelque part, s'il vous plaît, respectez, apprenez au moins toi en tant qu'animateur, parce que je ne te considère pas comme un journaliste. Pour moi, tu es un animateur. J'y point. En tant qu'animateur, respecte au moins la dépouille de ton collègue. Respecte au moins la dépouille de ton collègue. Arrête de mentir sur son nom. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et tu ne le sauras jamais. Si tu as envie de régler tes comptes avec le Zomloi, va à Yaoundé, tu règles tes comptes avec lui.
La dernière fois que les hommes sont venus ici, tu as cherché à les rencontrer à tous les coups et à tous les prix. Ce n'est pas parce qu'on t'avait dit, ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas pris à télé suite que tu vas emmerder tout le monde. Que tu vas emmerder tout le monde, J-Point. Arrête ça. C'est ton collègue qui est mort. Mais jusqu'à présent, tu refuses de voir la mort de ton collègue. Tu entres toujours dans ta guerre que tu as avec les hommes là. Mets ta guerre avec les hommes là à côté. Pleure d'abord ton frère. Pleure d'abord ton frère. Une fois qu'on enterre ton frère, là tu peux ressortir. Ton frère est encore couché. Je ne peux même pas dire que ton frère, parce que lui, il était journaliste. Et il assumait au pays. Toi, tu arrives. Parce que tu es en guerre avec les hommes. Tu as tout organisé. Comment l'a pris à l'immeuble, les cadres. Comment l'a mené là-bas. Aller demander, t'as dit. Allez. Mon frère, J-Point, nous ne sommes pas dans un dessin animé. Nous sommes dans de la réalité. C'est la réalité. Il y a un journaliste qui est mort. Et ça choque tous les Camerounais. Mais parce que tu es dans une guerre de leadership, vous êtes dans la guerre des fans, dans la guerre des followers. Vous êtes dans cette guerre des followers. Parce que c'est maintenant qu'il faut qu'on parle de cette histoire. Ça peut nous ramener 2000 dollars, ça peut nous ramener 3000 dollars. Il faut qu'on parle de cette histoire maintenant. Si laissez ce gars en paix. Moi, je ne parle pas de ça. Mais de vous, je parle. De vous, je parle. C'est pas possible. On va où? Vous n'avez même plus de cœur. Rien. Votre frère est couché. Et vous commencez à mentir. C'est-à-dire que attendez au moins qu'on enterre ce gars. Et je verrai votre participation. J-Point, je verrai ta participation dans sa famille. Et c'est là où moi je t'attends. C'est là où moi, mec à mec, je t'attends, J-Point. J'attends ce que tu vas donner à sa défunte femme, ce que tu vas donner à sa famille. Comme participation. C'est là où moi je vais t'attendre. C'est pas possible. Ton collègue, à peine on l'a retrouvé, tu allumes les lives tous les jours. Et quand on regarde même, ce que tu dis n'a rien à voir. Tu racontes des bêtises. Des bêtises. Parce que tu as la vengeance dans le cœur. Il faut arrêter ça. Quand on ne connaît pas, moi je vous ai dit que je ne connais rien dans l'histoire-ci et je ne vais pas parler de cette histoire-là. Mais par contre, je ne vais pas tolérer que vous, blogueurs, qui ne connaissez rien, qui êtes ici en France comme moi, moi, au moins, je vais rentrer. Moi, au moins, je vais rentrer au Cameroun à la fin du mois. Mais vous qui êtes ici, qui n'avez plus pu mieux pour au Cameroun, qui ne connaissez rien du Cameroun, vous prenez seulement le colporter les Congos, vous pensez que parce que vous êtes dans les forums des journalistes camerounais que vous êtes au Cameroun? Mais allez au Cameroun. Allez au Cameroun et vous voyez dans quel état les journalistes camerounais misèrent. Même pour aller faire les reportages, les journalistes camerounais n'ont même pas l'argent pour prendre la moto. La moto. Je ne parle même pas du taxi. Je vous parle de la moto. Et on vous voit ici, vous êtes dans vos canapés pour montrer comment vous avez réussi. Comment vous avez réussi. Un de vos collègues meurt. Au lieu de faire ce qu'on appelle de rester tranquille et de dire que bon, on a notre collègue qui est mort. Attendez, non, vous pouvez vous lever que... Oui, non, tu reviens ton affaire. J-Point, on sait que tu as un problème particulier avec le Zoom noir. Tout le monde le sait. Donc, quel qu'en soit ce que tu vas seulement rajouter, on sait que lui, sa galère, c'est qu'il a été déçu par Télé Sud. Parce qu'on ne t'a rien donné à Télé Sud. Et on ne t'a rien donné. Et tu as le macabre de ça jusqu'aujourd'hui. Tu as le macabre de ça jusqu'aujourd'hui. C'est eux là-bas, en haut là-bas. Quand les gars mangent l'argent là-bas, ils nous appellent. Quand ces gars mangent l'argent en haut, ils nous appellent. Si ces gens ne peuvent même pas payer les motos à leurs propres journalistes, et Jean-Claude, Sia TV, Canal 2, Equinox, Vision 4, et tous ces journalistes-là marchent à la moto au Cameroun. À la moto. Tu viens nous raconter de la merde. Depuis qu'il a disparu, tu as retrouvé l'audimat. C'est bizarre. J-Point renaît de suite de la mort de Martinez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, J-Point qui faisait les lives avec 100 personnes maximum. Aujourd'hui, J-Point renaît à cause de la mort de Martinez. Aujourd'hui, J-Point fait les lives à 2000 personnes. Et ça fait depuis le temps de la basse. Il n'y a qu'aujourd'hui, c'est sûr, ça va partir. Ça va le partir comme c'est venu. J-Point.
Parce que tout le monde te connaît. Tout le monde te connaît. Tu n'as aucune information crédible. Et personne parmi nous n'a aucune information crédible. Tous ceux qui savent ce qui se passe ont mouru. Moi, mon courage, c'est devant moi. Tous ceux qui savent ce qui se passe, bon gars, tout ce que je vous publie, je tire ça dans les forums des journalistes. Voilà pourquoi c'est marqué en haut PCR. PCR, c'est que j'ai fait un post tout à l'heure, j'ai marqué PCR. PCR veut dire poster comme reçu. Poster comme reçu. Quand vous ne connaissez rien, dites que vous ne connaissez pas. On ne va pas vous tuer. J'ai pointé, on te le dit que tu ne connais pas. Allez mettre le luminol sur le mur. Quand vous mettez le luminol sur le mur, ça veut dire que vous mettez, le luminol est normalement composé. Ça veut dire que quand vous allez, avec son petit papier qu'il a là, comme un marabout. Avec son petit papier qu'il a là. Il veut montrer qu'il est sérieux. Il est là comme ça là. Man, tu as encore le mal de télésuite. C'est le mal de télésuite qui te ronge encore le cœur. C'est le mal de télésuite qui te ronge encore le cœur. Boris, moi, depuis ce que tu as fait, depuis le chantage que tu as fait aux autres personnes, là, il y a beaucoup de personnes que toi, Boris, tu as en chantage constamment. Tu fais le chantage au ministre. Vous faites le chantage à tout le monde. Vous n'avez même pas honte. Votre collègue est encore couché. Vous commencez le buzz sur son nom. Vous commencez le fait comme moi, je ne connais rien. Vous avez honte de ça. Je vous avais dit, j'y prends, entre dans le Congo, ça avec moi. On parlait des cordes. Entre dans le Congo, ça avec moi, on parle des attachements. Entre dans le Congo, ça avec moi, on parle des gens qu'on sort des maisons. Vous allez entrer dans le Congo, ça avec moi. Parlons d'entrepreneuriat, parlons de Congo, ça, on laisse nous tranquilles. Le jour où on appelle quelqu'un, on va pour aussi goûter la mayonnaise. Le dis pas. Entrez dans le Congo, ça avec moi, ça change quoi? Ça change quoi? J'ai pointé la bouche du Congo, ça. Quand on te voit parler, on sent. Tu étais le genre de gars qui te racontait les matchs comme ça, que le gars n'a pas vu le film. Mais quand tu sors dehors, il te raconte le film parce qu'il a vu l'affiche. J'ai pointé, c'est ce genre de gars. Je pense que parmi vous, vous avez eu ce genre de personnes. Vous avez eu ce genre de personnes dans votre jeunesse. C'est-à-dire que le genre de gars qui était dans un groupe, il vient comme ça, il voit les 36 chambres de Shaolin. Il regarde l'affiche, il regarde. Après, quand quelqu'un sort du cinéma, il dit à la personne là que, bon, c'est comment? Le dernier combat, c'était comment? Oui, il a fait quel secret là? Oui, ok. Le gars parle de cinécam, il arrive au quartier, il te raconte le film, tu as l'impression que tu as vu le film. Et le jour où tu peux voir le film, ça n'a rien à voir avec ce qu'il t'a raconté. Rien! Même le dernier combat que tu disais que, il va dire que non, Shaolin a sorti un truc. Tu arrives, tu cherches là où Shaolin va sortir le combat, tu regardes le film, tu ne vois pas. J. c'est ce genre de gars. Je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas le niveau de J. parce que je refuse le mensonge. Je n'ai pas le niveau de J. parce que je refuse le mensonge. Un journaliste, c'est son carnet d'adresse. Ce n'est pas les films. On n'est pas en train de regarder NCIS. On n'est pas en train de regarder les polices, Congossa, police. On n'est pas là-dedans. Parce que ce que J. raconte depuis lundi, on va même dire dimanche même. Ce que J.P. raconte depuis, c'est un tissu de mensonges qui ne tient pas la route. Et ce qui est bizarre dans le film, ce que j'adore dans le film, c'est que c'est maintenant, ce n'est pas mec à main. Ne venez pas dire que c'est sa main. C'est Boris Bertol qui compte. C'est-à-dire que c'est Boris Bertol qui met à nu ce que J.P. dit. Regardez, prenez le lave de Boris Bertol, vous prenez le lave de J.P., vous allez rigoler. Vous voyez comment ils s'envoient des pics entre eux. Oui. On vient parler. J.P. est un animateur. Il n'a aucun diplôme de journaliste. C'est un animateur. C'est comme un gars comme ma mère quand même. Tu me poses le micro là, je te raconte un match comme si vraiment j'ai vécu ça. Il est comme moi. Il est animateur. Journaliste d'investigation, il a payé ça comment? Journaliste d'investigation, il n'est jamais sorti. Il est toujours assis là où il est là. Vous savez ce qu'on appelle? Même moi, je fais l'investigation. Je peux faire l'investigation dans mes champs. Oui, moi je voyage, je monte, je descends, je pars à Mandouba, je reviens à Paris, je pars à Mandouba, je reviens à Paris. Moi je fais l'investigation. Même dans le Congo, ça, je fais l'investigation. Mais oui, J'y prends Boris, entrons dans le Congo, ça, on reste pour nous tranquille là-bas. Ce que je risque dans le Congo, ça, c'est les gifles. Ce que je risque dans le Congo, ça, c'est les chandelles qu'on va me couper les chandelles. C'est ce que je risque moi dans le Congo, ça. Dans le Congo, ça, je risque pas qu'on va me tirer.
ou bien je risque un warap comme un mouton fait le warap à Yaoundé là. C'est bien ce que je risque là, dit-là. Sinon, je serai toujours en vie. Le niveau là, où ils sont en haut là-bas, je n'ai pas la côte pour le niveau là. Voilà pourquoi je ne parle pas de l'histoire de Martinez. Voilà pourquoi je ne parle pas de cette histoire là, parce que je ne connais rien. Mais par contre, je refuse que des blogueurs se fassent de l'argent, des croque morts comme ça. Je refuse que des blogueurs se fassent de l'argent sur l'histoire de ce monsieur. Il a le droit au respect. Parce que dans son combat, il a toujours été seul. Dans son combat, il a toujours été seul. J. Point. C'est pas aujourd'hui qu'on t'a refusé télé sud. Tu es un animateur. Tu n'as pas le niveau de télé sud. Tu auras beau insulter Amourou Belinga comme tu veux. Nous, on n'est pas là-bas. Nous, on n'est pas là-bas. Si tu veux l'insulter, mets ta caméra, insulte-le proprement. Mais n'associe pas les sentiments des gens dans ton histoire. Les journalistes camerounais pleurent leurs collègues. Parce que c'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça. Les journalistes pleurent leurs collègues. Ne venez pas envenimer. Ne venez pas envenimer ou rajouter. Tous ces gens-là, les vrais journalistes ne croient pas à J. Point. Parce que J. Point prend tout ça là dans ces forums-ci là. C'est dans les groupes où nous sommes nous tous. Moi, ils m'ont mis là dedans parce qu'ils savent qu'à mer fort. Ils sont dedans nous tous. J. Point dans tous ces groupes que vous voyez là. Les groupes des journalistes, ils sont là dedans nous tous. Voilà, ils prennent leurs informations pour venir. Ils lui viennent. Et lui, comme il avait sorti, vous connaissez le problème du documentaire qui est sorti. Attendez même. Le documentaire qui est sorti avec Mbonembon. Il a encore de ça. Là où on l'a comparé avec le singe, il a encore la rage de ça. Voilà pourquoi tous les moyens sont bons pour lui d'envoyer des pics. Voilà, ça a commencé. Maintenant, on accuse. Les journalistes commencent à s'accuser entre eux. Je vous ai dit, faites comme moi. Nous, on est là, ça va venir nous trouver. Non, au coin du quartier, ça va venir nous trouver là-bas. Mais ces charlatans-là qui font le bruit pour salir les autres, laissons-les dans leurs problèmes. Laissons-les dans leurs problèmes. Je refuse simplement qu'on se fasse de l'argent sur la mort d'un grand journaliste. J'ai pour une fois enlevé mes lunettes pour te dire ce que tu es en train de faire, arrête ça. Arrête ça. Respecte au moins la mémoire et la dépouille de ce monsieur qui est mort. Avant de parler d'une information, apporte les preuves. Le jour où tu apporteras une preuve dans tout ce que tu as dit, Boris Bertrand au moins fabrique les preuves. Boris Bertrand au moins fabrique, on voit. Il se bat dans la fabrication des preuves. Mais J. Point, même dans la fabrication, tu n'as jamais rien ramené. Respectez de grâce. Respectez la famille de ce journaliste. Respectez ceux qui en pâtissent directement. Arrêtez de faire le buzz. Il y a eu un meurtre. Quelqu'un est mort. Arrêtez le buzz. Arrêtez le buzz. C'est pour vous. C'est pour votre conscience. À un moment donné, Boris, je vous invite, toi et bébé et J. Point, entrez dans le Congo ça avec moi. Je risque quoi dans le Congo ça? Entrez dans le Congo ça avec moi parce que vous n'avez pas les couilles. Entrons dans le Congo ça. J'ai pointé le don du Congo ça parce que quand tu racontes une histoire, on sent que non, tu es un gars du quartier. Entrez dans le Congo ça, on parle des codes. C'est tout. Le jeu ne parle pas des codes, on parle de comment on a sorti Coco Mimbang à la maison. Le jeu ne parle pas de Coco Mimbang. Il y a beaucoup de dossiers. Il y a Bolingoke aussi. Il y a beaucoup de dossiers dans le Congo ça. Dans le Congo, ça, il n'y a pas une journée qui passe, il n'y a pas un truc qui est dehors. Au moins, là-bas, vous avez la visibilité. Moi, dans le Congo, ça, là, j'allais déjà taper 2000 vues. Mais parce que, non, moi, je me mets là-dedans, parce qu'on sait quand même, ça passe. Moi, je préfère leur dire la vérité. Je préfère leur dire la vérité. Sortez dans les histoires qui ne vous regardent pas. Sous peut-être que vous voulez le buzz. Respectez votre. Je ne parle pas de ça parce que je respecte la mémoire de ce monsieur. Je ne vais pas annoncer des conneries dans ma bouche et pourtant que je ne connais rien. Il s'agit de quelqu'un d'important dans le milieu des journalistes. Donc, que ça soit Boris, que ça soit J. Point, pardon, laissez-nous avoir le mensonge. Pardon. Ils savent. En haut là-bas, ils savent. Et ils savent. Vous faites seulement semblant. En haut là-bas, ils savent. Laissez-nous. Laissez-nous.
venant dans le Congo ça. Voilà, il y a Showbiz Congo ça qui est là. Entrant dans le Congo ça, actuellement Showbiz recrute. Autrement dit, la dernière fois que lui-même va devenir blogueur à cause de Lolo. Entrant là-dedans, ok. Nous, on attend que. On a déjà, la liste d'attente chez Outam. Tout le monde veut être assistant d'Outam pour voir comment on attache les corps. Entrons-nous là-bas, on reste nous tranquilles. Oh, vous dérangez. Eddy, Jipon, il faut que tu fasses le deuil de télé suite. Il faut que tu fasses le deuil de ça. Toi, tu as insulté les hommes là tous les jours. Chaque fois que les hommes viennent ici à Yaoundé, aussi à Paris, tu es le premier à envoyer les gens pour qu'ils te reçoivent. Hein? Mon frère, il faut savoir ce que tu veux. Voilà. Tous les cartels du Congo ça sont là. Voilà, il y a Congo ça Fashion qui est là. Il y a Choupinette Bloc qui est là. Il y a Congo Njapa, Congo ça qui est là. Tous les gars du Congo ça sont là. Demandez, ils peuvent vous embaucher. Ben oui. Laissez ce gars en paix. Laissez ce gars en paix de grâce. Voilà. Laissez ce gars en paix. C'est pas possible. Vous le sortez toujours. Là, les grands veulent vous tuer. Les grands. Les gueux, vous voulez toujours parler des choses que vous ne connaissez pas. Tous ceux qui connaissent ont le secret du culte. C'est nous, on nous dérange pour rien. Hein. Les histoires du Cameroun, c'est comme la politique. Ils nous le connaissent seulement le jour des élections. Chacun prend sa boîte de sardines avec son pain de sang. Il rentre chez lui. C'est tout. Ah, vous parlez de quoi? Voilà Njapap qui est là. Njapap est en train de recruter. Fashion Congo, ça recrute. Choupinette Blanc recrute. À cœur ouvert de Nicole Ketcha recrute. À cuisse ouvert de Lolo recrute. Autant même veut devenir blogueur. Autant même en train de. La liste est déjà longue. Sans compter que il y a Compression même recrute des gens pour écrire. Il y a Showbiz Congo ça qui est encore là. Il y a le travail dans le Congo ça. C'est vous qui ne voulez pas seulement l'histoire. Il y a le travail dans le Congo ça. C'est vous qui ne voulez pas. Vous cherchez toujours les vues. Si tu cherches les vues, viens dans le Congo ça. Tu auras tes vues. Mais des grâces, mes frères blogueurs, moi je ne vais pas parler de l'histoire de Martinez aujourd'hui, demain et après-demain. Mais s'il vous plaît, des grâces, ne mettez pas les autres dedans. Laissez les gens. Les gens sont en train de pleurer quelque chose. Les gens sont en train de pleurer quelqu'un. De grâce, laissez les gens d'en haut faire leur guerre. Laissez-les là-bas. Nous, on est là, on observe à distance. On est là, on n'a pas le pouvoir là. Et ils mangent les omars avec les caviars, avec les wokos. Nous, on est dans le pain haricot. Nous, on est dans la bouillie haricot. Nous, on est dans le beignet pain bouillie. Nous, on est là-bas. Ce n'est pas les mêmes bagarres. Ce n'est pas les mêmes bagarres. Eux, là-bas, quand il y a un problème, tu entends que quelqu'un est mort. Nous, dans le beignet haricot, si tu entends qu'il y a un problème, c'est le coup de poing qu'on a donné à quelqu'un, mais il vit. C'est le coup de poing qu'on a donné à quelqu'un, mais il vit. Eux, dans caviar, champagne, tout ça. Quand tu entends qu'il y a un problème, les têtes tombent seulement. Là-bas, tu entends seulement que non, on l'a retrouvé dans un lac. Tu entends seulement que oh, on l'a retrouvé dans un terrain. Là-bas, eux, c'est leur niveau là-bas. Nous, dans le beignet haricot, si on t'a loupé, c'est le coup de pomme. Si on t'a loupé, c'est la garde à vue au commissariat. Tu rentres encore chez toi. Les coups de pomme, j'ai eu ça. Garde à vue, j'ai eu. Donc, voilà ce que tu risques dans le Congo, ça. Mais, j'ai point. Viens, on reste là-bas dedans, on reste nous tranquille. Ne manque pas les gens. Arrête ça. Arrête ça. On t'a refusé télé sud. Calme-toi. Va créer ta part, on voit. C'est tout. Vous parlez même de quoi? Oh. Non. Moi, vous savez, moi, je suis un gars vrai. Je suis un gars authentique. Je connais comment les journalistes souffrent au Cameroun. Les journalistes font deux boulots au Cameroun. Le journaliste est journaliste la journée, agent de sécurité la nuit. Le journaliste est journaliste le jour. Le soir, tu le retrouves en train de vendre le soya. Quelqu'un est journaliste le jour. La nuit, il est au bar. Vous parlez de quoi? Je ne prends que les gens que je connais. Je ne prends pas les gens que je ne connais pas. C'est Pierre Rigaud. Si c'est Pierre Rigaud qui l'a... Maman, je prends que les gens que je connais. Je ne prends pas les gens que je ne connais pas. Je vais venir prendre quelqu'un ici. Il va venir donner l'information ici. On m'arrête après. Je ne prends les gens que je connais. Si je ne connais pas quelqu'un, je ne le prends pas. Je préfère voir mes poulets grandir. Mais j'y point, pour l'amour de Dieu, si tu crois en Dieu, laisse reposer Martinez avant de commencer. Attends au moment qu'on enterre Martinez avant de commencer à mentir aux gens. Le chantage, c'est-à-dire que tu peux parler du zoom dans n'importe comment, tu n'auras pas 5 francs. Parce que ce qui est sûr,
Le commissaire t'a croisé, le commissaire t'a piégé ici, on a vu. La personne qui t'a fait tomber, hein, je pointe, c'est le commissaire Zoro. Il nous a démontré par A plus B, il t'a piégé avec 6 000 euros. Oui, bonsoir commissaire Zoro. Il t'a piégé, tu es tombé. Si Zoro a réussi à te calmer avec 6 000, imagine-toi. Donc, mon frère, j'ai ta douleur. J'ai ta douleur. Nous, au Bénin Haricot, on ne sait pas ce qui se passe chez les champagnes caviar. Nous, nous, au banque de touche, on attend. On attend. J'ai fait... Je préfère vous dire la vérité. Je ne suis pas un blogueur qui ment. Non, je n'ai pas chauffeur City. Non, je n'ai pas chauffeur. Quand vous ne le connaissez pas, il faut me dire. Ouais. Congosa, quand tu ne le connais pas, il faut me dire. En journée, je suis chauffeur Choupopop et chauffeur Uber Eats. Voilà ce qu'il fait en journée. En l'espace de la journée, quand il n'y a rien à faire, je garde les enfants. Voilà ma part en bain. À la fin du mois, je rentre retrouver mes chambres au Cameroun. Je ne discute ça avec personne. Parce que tu es mal informé, tu dis que si tu fais... Non, 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 non. C'est Choupopop. Ça veut dire que c'est l'application de Carrefour. Quand quelqu'un fait les courses, il met la taxe, tu viens, tu dis que tu vas livrer. Tu prends, tu livres, tu pars, tu déposes. Pendant ce temps, quand quelqu'un paye la nourriture, tu vas au McDo, tu récupères sa nourriture, tu pars le donner dans son bureau. On te donne soit ses 4 euros, soit ses 5 euros. Tu finis la journée, tu rentres. Si les enfants sortent à l'école, tu pars chercher, tu viens, tu gardes les enfants. S'ils viennent manger, tu vas manger. Bam, c'est ma vie en vain. En attendant qu'ils rentrent, nous trouvons méchants. J'ai honte de ça. Non, c'est ça ma vie en vain. Si vous avez honte de vos vies, moi, Amer Kamer, tout le monde sait, Amer Kamer n'a honte de rien. Comme j'étais, peut-être que vous êtes mal passé dans le Congo, ça, j'étais informé seulement de ce que le Congo ça dit. Peut-être que tu viens d'arriver, tu n'es pas au courant. Vous avez compris? C'est ça ma vie en vain. Et je n'ai rien à cacher et je suis fier de ça. Voilà, donc c'est tout. Et si vous voulez, et si je ne veux pas travailler en France, c'est parce que je dois rentrer au Cameroun. Je finis de faire mes trucs que j'ai à faire ici au Cameroun. Je rentre, j'ai mes champs, j'ai mes plantains au Cameroun. Actuellement, c'est la saison sèche. Donc, j'ai beaucoup de choses à faire au Cameroun. Mbeng, ce n'est plus pour moi. Mbeng, c'est pour mes mounas. C'est tout. Il n'y a plus rien à faire. Donc, si tu penses que, oh, Amer Kamer, mon frère, si tu viens traiter Amer Kamer, renseigne-toi d'abord. Renseigne-toi d'abord. Attends, je bloque d'abord quelqu'un ici. Voilà, banni, voilà. Ok, banni, voilà. Donc, si vous avez honte de ce que vous faites, il n'y a pas de souci. Attendez, je bloque encore. J'ai beaucoup de personnes que je dois bloquer. Ah non, il est déjà bloqué. C'est bon, il est déjà bloqué. Donc voilà. Nous, on n'a pas honte. Hein. Si vous avez honte de vos vies en Europe, moi, Amer Kamer, parce que la personne qui, les gens qui me regardent là, ce sont toujours, vous êtes ici, au Cameroun, ne regardez pas les là, ça prend beaucoup d'argent. Mais si vous avez honte de vos vies, si vous êtes comme J. Point et que vous avez honte de vos vies, c'est votre problème. Moi, je n'ai pas honte. Je n'ai même pas honte de ce qu'il fait. Le matin, je vous donne mon planning. Le matin, 6 heures, je me réveille. Il m'avait fait le sport. Je finis de faire le sport à 8h30, 9h. Je commence à porter les courses des clients à partir de 9h. Je porte ça jusqu'à 16h30. Je m'avais récupéré les enfants à l'école. Je viens, je reste à la maison. Je fais à manger. Ils regardent la télé. Moi-même, je fais mes lives. La journée est finie. L'autre jour, plein, je recommence. La journée est finie. Maman, ce n'est pas mes enfants. J'ai honte de faire la cuisine à mes enfants. Non. Je parle chez les... Oh, j'ai honte de travailler. Ça paye, non? Oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans que vous ne connaissez pas? On a un gros dossier sur les cordes. Donc, quand je ne connais personne, je ne prends pas. Et c'est parce que, et c'est pourquoi vous avez de tourner. Quand il est fini là, après, non, j'allume de l'autre côté, vous connaissez. On entre dans le Congo, ça, c'est tout. Mais j'y pointe. De grâce, les blogueurs, vous qui ne connaissez pas cette affaire de Martinez, laissez. Laissez. Parce que ceux qui connaissent, ils sont là-haut. Ils savent ce qui se passe. Nous, on ne connaît rien. J-Point, fais le deuil de Télé-Sud. Fais le deuil de Télé-Sud. C'est tout.
C'est tout. Tu me dis que je n'ai pas le niveau de J point. De 1. Là où je passe, J point ne peut pas passer. Tu as compris? Le journalisme, c'est un métier qui va mourir dans bientôt. Les blogueurs sont en train de prendre la place. Parce que nous, les blogueurs, on fait l'investigation. Nous, les blogueurs, voilà ça, l'équipement est là. Nous, les blogueurs, on fait l'investigation plus que vous tous. Plus que vous tous. Le journaliste, voilà. En plus de que je suis blogueur, j'ai ma carte professionnelle. Je suis conducteur de travaux publics, route et canalisation. Conducteur de travaux publics, route et canalisation. Je ne suis pas... Attends, oh, Jomo, tu veux me comparer avec J-Point? Tu me compares avec Mandjan? Tu es fou? Tu me compares avec Mandjan? Eh, petit, fais attention, hein? Tu compares un noble Camerounais? Attends un peu. C'est pas possible. Tu compares un noble Camerounais avec un... Tu compares un noble Camerounais avec J-Point? J'ai le niveau de J point. Tu es fou. J'ai 13 ans de professionnalisme dans les travaux publics. Attendez. Tu as vu? Titre de séjour. Permis de conduire. Carte vitale. Il y a quelque chose. Ne me compare jamais avec J point. Tu as compris? Vois ma carte professionnelle. C'est quand tu travailles qu'on te donne ça. Carte professionnelle, conducteur de travaux. Viens pas, tu me compares avec qui? N'importe quoi. Petit, ne viens pas mal. Ne viens pas mal. Je suis chargé. Je suis chargé. Je ne suis pas un blogueur. Les blogueurs, ils... Non, je ne suis pas ce genre de blogueur. Ici en Belgique, j'ai fait, on a vu. Normalement, même. Attends. Nous, on ne parle pas pour parler. Ah, ça tombe bien. On ne parle pas pour parler. On parle parce qu'on a des preuves. Attends. Tu as confirmé le code tout à l'heure. Attends. Tu veux me comparer avec qui? Tu me compares avec J. Point? J'ai fait 6 ans d'études dans les travaux publics. 6 ans d'études. Boudman, il va me comparer avec quelqu'un qui passe son temps à raconter les connexions dans les réseaux sociaux. Petit, respecte-moi. Hein? Attends. Je vais te montrer quelque chose. Ça veut dire quand on se descend, il y a des Camerounais qui sont valables dans la diaspora. Hein? Tu me compares avec quelqu'un qui... Petit frère, ne recommence plus jamais ça. Plus jamais. Ne recommence plus jamais ça. Tu me compares avec J point. Mon petit, on compte dire. Hein? Attends, je vais te montrer quelque chose. Parce que deux fois. Je vais te montrer quelque chose. Parce que vous aimez toujours. Je vais un peu ouvrir ça. Tu es mal tombé, mon petit. Je vais te montrer ce que J point n'aura jamais de toute sa vie. Tu as compris? Attends, je vais te montrer. Non, nous, quand on parle avec les preuves. Attendez, j'enlève le truc. Petit, regarde bien. Hein. Ça, sa mère, quand même. Formation de laborantin. Ce n'est pas que. Non. C'est-à-dire, oh, tu étudies d'abord la terre. Tu montres comment. Tu viens parler. Tu parles à qui? Tu as vu, petit? Regarde bien. Tu me compares à J point. Je ressemble à J point. Je ne suis pas dans le mensonge. Hein. Ça, c'est un laborantin, l'étude de la terre. Quand il faisait ma formation de conducteur de travaux. Regarde bien. Si tu veux me comparer. Me voilà là. Sa mère, quand même, voilà. Tu veux me comparer. N'importe quoi. Me voilà encore là. On veut comparer les Camerounais. Jusqu'à tu dis qu'à mère, quand même. Tu veux comparer à mère, quand même. Je suis un petit. Fais attention. Hein. Fais très attention. Je suis un Camerounais valable. Ne me compare jamais avec lui. Jamais. Attends, l'autre c'est où? C'est pas possible. Même pas de dignité. Vous n'avez même pas de dignité.
même pas de dignité, tu veux me comparer avec quelqu'un. C'est pas parce que je fais Uber. Hein. Je fais Uber parce que je n'ai pas le temps. Je suis venu pour voir mes partenaires, prendre mes investisseurs que je peux amener à investir au Cameroun. Et c'est tout. Et c'est tout. Ne me compare plus jamais avec lui. C'est une malchance pour moi. Les gens qui vivent dans le mensonge, ils voient que les Camerounais sont en détresse. Ils sont prêts à tout faire pour avoir un sujet de discussion, pour jusqu'à aller montrer la grosse télé derrière lui. Mon frère, montre la grosse télé. Non, c'est pas grave. Nous, on n'a pas la grosse télé. C'est qu'un sûr. On est rangé d'une bain avec calibré dans la tête. Tu as compris, non? Tu me compares avec J-Point. J-Point me vaut. J-Point me vaut. Je ne manque pas sur les gens pour gagner ma vie. Je ne manque pas sur les gens pour les estorquer après. Je ne manque, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Tu as le calibrage d'Amer Kamer. J'ai travaillé dans les plus grosses sociétés françaises. J'ai travaillé chez Veolia. J'ai travaillé chez Valentin. J'ai travaillé chez Fayol. Tu parles, j'ai travaillé chez Eurovia. J'ai travaillé chez EFH. Tu parles de quoi? Tu me peux? Ne me compare pas avec lui, hein? On n'est pas pareil. Il y a des gars qui ont un CV lourd en ben. C'est parce que le Cameroun n'a pas encore le niveau. Les routes camerounaises n'adhèrent pas à certains critères. C'est pour ça que je ne peux pas travailler au Cameroun. Mon diplôme ne me permet pas de travailler au Cameroun. Tu veux me comparer, avec J-Point. Petit frère, bon, haba hala kayala. Boulou, bon, haba ongelenso. Haba ongelenso. La jalousie. C'est comme ça que vous, les Camerounais, vous êtes. Vous jalousez toujours ceux qui travaillent. Vous jalousez toujours. Voilà, mec, comment en plein travail. Parce que moi, je ne parle pas seulement que. Oh, voilà, mec, comment en plein travail. Voilà, mec, mais ça, c'est on appelle ça les réseaux. Vous avez compris, non? On appelle ça les réseaux. Mais comment je viens de travailler? Tu me compares avec quelqu'un qui tape la bouche, on paye. Même aussi, quand il tape la bouche, Facebook paye. Mais ce n'est pas le travail d'un homme. Un homme doit avoir un travail pour développer sa communauté. Vous n'avez même pas des morgues, des cloques morts comme ça, là. Vous entendez seulement la mort des gens pour. Gabi, non, laisse, je te laisse. Je te prends, genre. N'importe quoi. Faites très attention. Hein. Vous parlez. C'est le travail. On ne travaille pas avec ceci. Vous êtes jaloux jusqu'où? Pardon. Je voulais seulement vous annoncer. Parce que je voulais seulement vous faire votre en disant ceci. Boris J-Point, arrêtez le mensonge. Trop, c'est trop. Respectez au moins la dépouille d'un frère. Respectez la dépouille de quelqu'un qui est mort. Personne ne connaît ce qui s'est passé. Personne. C'est entre eux là-bas. Nous, on n'est pas dedans. Respectez au moins la dépouille de ce gars. Vous n'avez pas fui au Cameroun. Vous deux là, vous n'avez pas fui au Cameroun. Vous n'avez pas fui au Cameroun, vous deux. Vous n'avez même pas honte. Maintenant que quelqu'un meurt, vous arrivez derrière. Vous commencez à faire Jean-Jean. C'est même fini. Maman est même finie. Ce n'est pas possible. Ok, passez une bonne soirée. On reprend le Congo ça demain matin. N'oubliez pas, on est toujours dans l'école.